Super! Un tas de pneus pourris qu'elle a dit, Baburk. Oh, comme ça! On va pouvoir s'en mettre plein le gosier. Je sais pas vous, mais rien qu'à y penser, j'en bave d'avance. Baburk, où tu es passé, ma petite crevure? Crevure adorée. Oh, la tronche! Salut, les viandes! Tu sais bien que le jaune n'a jamais été ma couleur. Tiens, je vais te faire ta fête, tu vas voir si je t'attrape. Non, oh, alors là tu vas voir ce que tu vas prendre. Attends un petit peu. Non, arrêtez, je me rends. À nous deux maintenant, on n'a pas fini de rigoler. Vraiment trop fun, les pourritures. J'ai encore quelque chose pour vous. Oh. Bonza! De dessiner. J'en ai marre des exercices de la loupe. Waouh! Mais c'est génial, ça, Kitou! T'es trop gentil, mais tu sais, le dessin, c'est fastoche! Oh, si seulement je pouvais dessiner comme toi! Bon, faut que j'y aille. Je veux encore me prendre une mauvaise note. Regarde-moi ça, c'est un scandale, du vandalisme! C'est incroyable, qui a pu faire ça? Dis donc, l'affreux, j'ai comme l'impression que ta famille a encore fait des siennes cette nuit. Les enfants, je vous présente Mademoiselle Patassel, la directrice des Beaux-Arts de Lillaville. Elle est très impatiente de découvrir vos dessins. Alors, voyons voir. Ah, oui, c'est pas mal. Oh, mais je vois que nous avons des artistes en herbe. Bravo, jeune fille. Normal, cette famille, vous savez. Hein? Oh non! Waouh! Et Lucie, t'as fait des progrès en dessin, on dirait. Non, mais ça va pas, Kitou. Pourquoi t'as fait ça? Ben, pour que t'aies la meilleure note, pardi. Incroyable! Ce lila, on le dirait presque vivant. Oh, quel chef-d'œuvre! Il faut absolument que tu participes au grand concours jeunesse de dessin. Mon œil, c'est même pas elle qui l'a fait. D'ailleurs, tout le monde sait que cette prétentieuse peint comme un pied. Est-ce que c'est vrai? Alors c'est toi ou non? Oui, je... Oh, mais qui voulez-vous que ce soit? Mon sac à dos, peut-être? En effet, écoute, je tiens à ce que tu participes à ce concours. C'est pas juste! Pourquoi elle y participera et pas moi, hein? Dis donc, Scala, comment te permets-tu? Ce n'est pas vraiment une... Soit, pourquoi pas, je propose de vous mettre à l'épreuve toutes les deux. Je voudrais déjà que vous vous dessiniez mutuellement. Comme ça, pas de tricherie possible. Et je vous préviens, je ne prendrai que la meilleure.
maintenant? Je peux t'aider si tu veux. Ah ben oui! Génial! Tant qu'à faire, montre-toi ce qu'elle a pendant que tu y es. Tu te prends déjà pour un artiste, ma parole. Mais je te rappelle quand même que tu n'es qu'un monstre, c'est tout. Un monstre? Oh, je suis un monstre? Oh. Puisque je suis qu'un monstre pour toi, toi tu n'es plus... tu n'es plus mon ami! Non, Kitou! Arrête! Mais qu'est-ce que tu fais? Et grâce à ces sucs gastriques super puissants, le monstre peut digérer les métaux lourds. Est-il besoin de vous rappeler que le suc gastrique est un suc digestif acide, produit par l'estomac? Notez Nemo, bien, je suis très embêtée pour Kitou. Tu pourrais le trouver? Moi, je suis coincée avec ce qu'elle a. T'en fais pas, je m'en occupe. Une bombe de mer pour Bashi. Une bombe de violet pour Bastrak. On voit plutôt du jaune, c'est bien meilleur pour le teint. Ah, c'est ça, je suis qu'un monstre. Et ben si c'est comme ça qu'elle me voit, je suis pas prêt de lui pardonner. Ah, c'est pas vrai, encore lui le propre à tout. J'en ai marre, pour eux je suis seulement qu'un monstre. Ouais, t'en es un, t'es comme nous, et alors où est le problème? Y'a pas de problème, allez quoi? Fais pas cette tête, Kitou, t'es tout ballon! C'est vrai ça! T'as vraiment besoin de reprendre des couleurs, viens par là un peu! Mais vous êtes dingue, arrêtez! C'est déjà pas marrant de dessiner une mocheté comme toi. Tiens, regarde, c'est assez ressemblant, non? Et celle-là, alors tu la connais? Et d'ailleurs, puisque c'est comme ça, t'es pas prêt de voir le mien. De toute façon, moi j'ai terminé. J'ai plus rien à faire ici. Salut, je rentre. Oh là là, non, c'est trop moche, c'est la cata. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter à Madame Patacel? Lucie? Alors? Aucune trace de lui. Peut-être qu'il est déjà en train de faire sa valise chez toi. Tu devrais quand même y aller. Oui, mais ça... T'inquiète, je vais tout ranger. Merci, Nemo. T'es un ami. Je crois que je les ai semés. Oh là là, qu'est-ce que c'est moche! Ben ça alors, le fugueur est revenu. Lucie est partie te chercher. J'essaye de rectifier son dessin, mais je suis aussi nulle qu'elle. Il faudrait qu'on lui donne un petit coup de main. Ah! Oh non! Oh, ah! Vite, suis-moi l'affreux! C'était moins une, hein. Oh, mais l'aventure continue, j'ai trouvé un super appât, tu vas voir. Ça alors, quel festin! Le bol, on a carrément les restes de la cantine. Ramenez vos popotards! Kitou! Oh, bravo! Mais qu'est-ce que tu fabriques, papa? Et maintenant, il n'y a plus qu'à tout nettoyer. Laisse-moi m'en occuper. Toi, t'as mieux à faire pour l'instant. S'il vous plaît! S'il vous plaît, mesdemoiselles, vous avez eu suffisamment de temps pour terminer vos œuvres. Le moment est venu, je crois, de regarder ce que vous avez fait l'une et l'autre. Pas mal du tout, Scala. Bravo! C'est un grand réalisme. Et l'idée est
très original. Oui, en effet, mais ça vient surtout du sujet. Alors, voyons maintenant ce qu'a fait Lucie. Je vous préviens, madame, c'est très mauvais. Hein? C'est excellent! Tu as beaucoup de talent, Lucie. C'est impossible! Elle a triché! Je sais pas comment, mais elle a triché! Ça suffit, ce qu'elle a. Non, elle a raison. Désolée, mais c'est pas moi qui ai fait ce portrait. Quoi? Vous voyez bien? Qu'est-ce que je disais, hein? Tricheuse! Ton attitude me surprend, Lucie, mais c'est bien de l'avoir reconnue. Cependant, je t'avouerai que j'aimerais bien savoir qui est l'auteur de ce dessin. C'est mon meilleur ami qui l'a dessiné. Il est petit, il est poilu avec une queue et 6 grands yeux. Oh. C'est un monstre. Oh. Je vois. Tu n'as pas l'intention de me le dire. Tant pis. En tout cas, quel qu'il soit, tu peux être fière de ton ami. Je déclare donc Scala vainqueur. Ouais. Un monstre, hein? Oh, t'es complètement débile, ma pauvre. Allons, les enfants. Tous en classe, maintenant. Alors là, Lucie, tu m'as carrément scié. Kitou! Lucie! Oh, je suis tellement contente que tu m'en veuilles plus et que tu sois revenu, mon petit monstre. Mais enfin, pourquoi tu leur as pas dit que c'était toi? Pour que tout le monde sache qu'à Lilaville, il existe un grand artiste de renom. Et j'espère qu'un jour, tout le monde le connaîtra et l'aimera. Comme moi. Thank you.